C'est mon projet, c'est mon album, c'est mes chansons. Donc oui, c'est la première fois que je fais le truc, que je m'organise le projet pour de vrai. Au total, il y a 11 chansons que j'ai écrites et composées. Et ensuite, ce sera pour aller au 18 avenue Jean Écart. C'est dans le 11e, à côté du métro rue Saint-Maur, Parmentier, par là. Ouais. On a l'impression que tout se joue sur 5 jours, même financièrement, c'est vraiment, pendant 15 jours, je vais vivre 15 jours de... Ça va être le rêve, ça va être mon rêve qui se réalise, et puis après c'est 3 ans et demi pour le rembourser. On a réservé 5 jours en studio. Il y a 4 jours avec tous les musiciens et un 5e jour pour moi pour pouvoir refaire certaines parties au niveau de la voix ou de la guitare pour que je sois un peu plus tranquille. On va enregistrer en live, c'est-à-dire qu'on va tous être dans la même pièce. Et on va enregistrer tous en même temps. Si on fait une prise, la chanson sur l'album, ce sera la chanson faite en une fois à un moment donné dans le studio avec tout le monde. J'avais 2 passions. J'avais la médecine. Depuis que j'ai 5 ans, je veux faire médecin. Cet objectif de faire ces études-là, ça m'a vachement aidée. Mais à côté de ça, j'avais effectivement cette âme très sensible, très artistique. J'écrivais, je jouais, je chantais, etc. Et en fait, ce qui est difficile, c'est la cohésion entre les deux milieux. Je m'y voyais complètement. Je me disais, mais c'est ça que je veux faire, mais ça me correspond complètement. Et puis, du coup, tous les moments où, en même temps, ça me tenait à cœur de finir mes études, d'aller au bout de ce projet, etc., le projet de l'album s'éloignait... complètement, parce que je me retrouvais à écrire une chanson dans ma chambre. J'avais l'impression que c'était plus un désir, mais que c'était un rêve, quoi. Et j'ai écrit et composé, je m'accompagne à la guitare, je chante. Donc il me manquait tous les arrangements, en fait. C'est pour ça qu'on a vachement discuté avec Manu au départ sur le style de musique que je voulais, l'ambiance que je voulais créer, pour pouvoir décider des musiciens. Voilà, il y avait une certaine appréhension de commencer le premier jour de répétition, et en fait, dès le premier jour, on a quasiment enchaîné 5 chansons qu'on a mises en place. Enfin, ça allait très vite et c'était presque naturel, avec une super bonne ambiance et une super bonne entente musicale. La bouche à nourrir. Et je me suis rendu compte en studio qu'elle savait ce qu'elle voulait, malgré les musiciens qu'elle avait et l'expérience qu'ils ont. C'est assez difficile en studio la première fois de savoir ce qui va pas, ce qu'on veut pas, ce qu'on préférerait, ce qu'on aime moins. Et elle savait tout de suite. Je pense que ça a été très bien préparé, mais elle savait quand même tout de suite ce qu'elle voulait, et puis elle l'a tout de suite entendu. Enfin, c'est ça qui est surtout difficile, quoi. C'est quand il y a la console, les enceintes, plein de boutons, etc. C'est difficile d'avoir le recul devant les enceintes, d'écouter ça comme dans son salon et de se dire j'aime ça ou j'aime pas ça. Enfin, là on est au boulot, et donc elle s'est très vite elle menait vraiment le projet, et en plus elle a très vite trouvé sa place. Et en 5 jours de studio, on a l'impression qu'elle faisait du studio depuis 10 ans, quoi. C'était marrant. Sur la route du naufrage, je suis à même de prendre du recul à mon âge. Je suis seulement plus sereine. J'ai appris comment tourner les pages sans redouter les prochaines. Je fais le grand voyage de ma jeunesse, mais j'ai mal pris les courbes, les virages. Je suis seule et ça me laisse comme des marques et des rides au visage, les séquelles de mes tristesses. Il faudrait ouvrir un passage dans le temps, gagner le rivage à contre-courant, arracher des pages du roman. La fleur de mon âge se réveillant, si mon corps en
envisage de s'abîmer, de laisser témoigner les outrages. Je m'avoue bien désarmée, plus proche de l'horizon que de la plage qui ne fait que... Ce studio se prête vraiment à l'enregistrement live. On s'est disposé de telle manière... Ouais, c'est vraiment fait pour, quoi. Pour moi, en tout cas, cette ambiance. Et donc, on a essayé de faire le plus de prises ensemble possible. D'ailleurs, on a tout enregistré live, à part des voix qui ont été refaites par la suite, mais la plupart des prises ont été faites vraiment live, quoi. Parce que souvent, en production, on se permet pas mal de choses, quoi, au niveau de l'arrangement. Et après, pour reproduire tout ça, c'est un peu compliqué. Tandis que là, non, ça peut être joué directement comme ça, sur scène, quoi. Nous sommes prêts. Voilà. Ça va me manquer parce que c'est hyper stimulant, quoi. C'est hyper stimulant, on est toujours en train de travailler. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de... On est à fond dans sa passion et j'adore.